Bonsoir. Une bonne journée pour les Français aux internationaux de tennis à Roland-Garros. Après Thor, hier, la victoire ce matin de Yannick Noah sur le Chilien Guy de Meister. Et cet après-midi, Thierry Tulane a battu l'Italien Adriano Panatta en 4-7. Une très belle victoire pour ce joueur de 17 ans qui s'était déjà illustré l'année dernière à Rome en éliminant l'Américain Gerulaitis. Serge Richet. Visage volontaire, il déplace son corps d'une jambe sur l'autre, souffle dans ses mains et assure avec détermination sa prise de raquette. À 18 ans, Thierry Tulane ne semble avoir peur de personne. Et sur le court central, Adriano Panatta, ancien vainqueur du tournoi de Roland-Garros, subit la pression de son jeune adversaire. À ce moment-là, Panatta est mené 5-3 dans le troisième set. Toutes les balles sont importantes. Tulane a placé un bon retour. Mais Panatta va faire preuve d'un geste moral magnifique. Regardez. Cela vaut bien tous les plus beaux points du monde. Au service, Tulane. Panatta doit s'employer pour essayer d'inquiéter le jeune Français. Mais Tulane distribue parfaitement son jeu, des balles liftées, hautes, qui dérangent l'Italien. Panatta ne parvient pas à résister à son adversaire. Balle de match pour Thierry Tulane. ...6-4, 4-6, 6-3, 6-0. La poignée de main de Thierry Tulane et les félicitations de papa. Ici contre Panatta, je m'attendais un petit peu à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a eu du mal à rentrer dans la partie. Il a très bien joué en milieu de partie et à la fin il a fatigué. Et j'ai pas lâché parce que je savais que si le match durait un peu, je pourrais m'imposer facilement à la fin. Maintenant mon but c'est d'arriver dans les 10 meilleurs le plus tôt possible. Si c'est pas l'année prochaine, tant pis. Mais j'espère bien que ce sera avant la fin de l'année. Parmi les autres qualifiés aujourd'hui, Connors, Villas et McEnroe. Le président de la République a reçu à l'Élysée les représentants d'organisations patronales et d'associations familiales. Le premier reçu a été François Sérac, le président du CNPF. Le résumé de cette journée avec Jean-Claude Renaud. La journée des patrons pour François Mitterrand, c'était la rencontre avec ceux qui ont officiellement soutenu le perdant, Valéry Giscard d'Estaing. Et tout d'abord, le Conseil national du patronat français. François Sérac, Yvon Chotard et Alain Chevalier n'étaient pas vraiment souriants, mais pas moins qu'un syndicaliste ouvrier à l'Élysée avant le 10 mai. Il s'agissait, pendant cette prise de contact, d'exposer au président les problèmes des entreprises et de leurs responsables. Crédit trop cher, charges sociales et fiscales trop lourdes qui menacent la compétitivité. Le cahier de doléances des patrons n'est pas mince. Le CNPF, pour qui l'entretien a été objectif, est pourtant resté discret sur son contenu. Nous ne ferons pas de déclaration. Nous venons de parler au président de la République de la situation immédiate et à terme des entreprises françaises, les petites, les moyennes et les grandes. Nous verrons la semaine prochaine Monsieur le Premier ministre, et nous n'avons rien à ajouter aujourd'hui. C'est inhabituel, cette absence de déclaration de votre part. Je dois dire, c'est inhabituel d'être reçu et d'aborder des problèmes comme ceux d'aujourd'hui. Inhabituel pour le CNPF, un président de gauche l'est aussi pour René Bernasconi, le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Les PME sont comme Saint Thomas, a dit leur représentant, elles attendent de connaître les premières mesures du gouvernement. Mais d'ores et déjà, M. Mitterrand a donné des indications à ses interlocuteurs,
Il faut, a-t-il dit, régler très vite deux problèmes. D'abord, celui du montant et de la répartition des charges sociales. Ensuite, celui du crédit à court et moyen terme accordé aux entreprises. Dernière délégation patronale, celle du Syndicat national de la petite et moyenne industrie, conduite par Gérard Deuil, auquel le président a promis de faire connaître sa représentativité. Le Premier ministre Pierre Mauroy recevra son tour lundi et mardi prochain les différentes organisations syndicales et patronales. Un conseil ministériel a préparé cet après-midi à Matignon des mesures urgentes à prendre dans les domaines économiques et sociaux. Patricia Coste nous en fait le compte-rendu avant même la fin de la réunion. C'est une sorte de boîte à idées, ce comité interministériel. 22 ministres qui se sont réunis pour chacun apporter les mesures les plus urgentes à prendre dans leur domaine. On a ainsi parlé de gratuité de transport en commun pour les chômeurs, de nouveaux droits pour les femmes ou du règlement du problème du Larzac. Et on a aussi parlé du financement de l'augmentation du SMIC, allocation familiale, logement, minimum vieillesse. Eh bien, ces mesures les plus urgentes à prendre ne seront pas financées par le budget. Par contre, l'effet de ces augmentations sur les entreprises sera étudié avec le souci de créer des compensations utiles. La création d'emplois, elle, par contre, sera financée par le budget. Quant aux autres réformes, eh bien, elles seront cadencées et progressives. La monnaie française s'est assez bien tenue aujourd'hui sur les marchés d'échange, alors que le dollar, lui, cède un petit peu de terrain. Mais la baisse se poursuit à la Bourse de Paris. L'une des raisons de cette morosité, les mauvais résultats de l'automobile en avril. La production des voitures françaises a chuté de 27% par rapport à avril 1980. Politique. La campagne électorale pour les élections législatives s'ouvrira officiellement lundi. Les interventions radio et télévisées des partis politiques ne commenceront que mercredi. La majorité sortante et la gauche disposeront chacune de 90 minutes de temps de parole pour le premier tour. Les élections législatives au centre des discussions entre le Parti socialiste et le Parti communiste aujourd'hui. À l'issue de la rencontre entre Jean Popraine et Charles Fitterman, on apprenait que deux délégations du PS et du PC se rencontreront mardi prochain pour reprendre les discussions. Pierre Mauroy et Gaston Defferre ont reçu les 101 préfets de métropole et d'outre-mer. Le Premier ministre leur a exposé les grandes étapes de la réforme régionale, notamment la transformation des départements en collectivités locales pleinement décentralisées. Et sur un plan plus politique, il leur a dit qu'ils seraient maintenus, à l'exception de trois d'entre eux qui avaient demandé leur mise en congé avant la formation du nouveau gouvernement. Hier, puisqu'il s'agit d'une campagne électorale, nous l'avons demandé de ne pas être intervenant. Qu'il n'avait pas du tout à se laisser glisser dans, par des considérations politiques et par conséquent ils devaient rester dans leur rôle strict de représentant de l'État, de représentant du gouvernement. Ensuite, nous leur avons donné des consignes précises en ce qui concerne les entreprises qui sont en difficulté, car il est absolument indispensable d'agir vite. Non seulement nous avons respecté les libertés, mais nous les avons étendues, ce que nos prédécesseurs n'avaient pas toujours fait, bien au contraire. Et ceci méritait d'être souligné, je crois, ce matin, si bien que les préfets étaient heureux, ils se sentaient à l'aise, ils n'étaient plus soumis aux pressions qu'ils ont dû subir pendant de longues années. Beaucoup de réactions aujourd'hui à la décision annoncée hier par le ministre de la Mer d'abandonner le projet de centrale nucléaire à Plogoff. Satisfaction tout d'abord à Plogoff, où cette décision était attendue depuis l'élection de François Mitterrand. Amélie Kerloc, le maire socialiste de Plogoff, propose une fête de la victoire le 28 juin. Nous sommes très méfiants. Nous avons déjà eu Giscard qui avait dit que les centrales ne seraient pas imposées aux populations qui n'en voulaient pas. On a bien voulu le croire. Et maintenant, tant que nous n'avons pas ce papier officiel, nous restons un petit peu méfiants. Et personnellement, moi j'aimerais bien qu'on fasse du Captivet un centre de recherche et d'expérimentation pour les énergies renouvelables. Nous avons le vent, nous avons la mer et il faut tirer profit de ces deux énergies que nous avons à notre porte. Bien alors, Georges Leclerc, comment se présente maintenant la situation en Bretagne? Oui, écoutez, Plogoff, ce n'est pas simplement le nucléaire. C'était un peu un symbole, la civilisation du béton, de l'administration qui imposait, de l'écrasement de l'homme. C'est pour ça que la réaction des habitants de Plogoff n'est pas du tout étonnante. Mais pour revenir à la Bretagne, il reste le problème de l'approvisionnement énergétique. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux premiers concernés, c'est-à-dire à EDF, de s'exprimer par la voix de son responsable local, Jean-Michel Fauve. Donc une première réaction, celle d'un ingénieur de l'EDF.
Le projet de Plogoff ne peut se développer que dans le cadre des orientations d'un plan énergétique, d'un plan nucléaire, qu'il revient au gouvernement d'arrêter. Mais alors, est-ce que c'est la mort de la Bretagne, l'abandon de Plogoff ? Ah, le problème que pose l'alimentation de la Bretagne, c'est un problème à l'égard duquel il revient à Électricité de France d'être une force de proposition pour dégager des solutions entre lesquelles il faudra choisir. Il y a plusieurs filières possibles. Elles ont des caractéristiques sur le plan technique qui sont différentes, elles ont des contraintes économiques qui sont différentes. Alors, de quoi peut-il s'agir ? De centrales au charbon ? Il faut que nous examinions cette possibilité. Il peut s'agir aussi, avec une programmation différente dans le temps, de sites marémoteurs sur la côte nord de Bretagne, par exemple. Tous ces éléments doivent être mis à la disposition de ceux qui ont arrêté un programme de développement énergétique, et notamment électrique. Alors jusqu'à présent, le programme EDF, si on peut schématiser, c'était hors du nucléaire, pas de salut. Et apparemment, vous changez un petit peu d'orientation. Oui, je crois que ce sont un peu les événements, ou peut-être même les hommes, qui ont fait traduire le fait qu'EDF, c'était du nucléaire. Je crois qu'au cours des précédentes années, d'une part, on a développé des installations hydrauliques très importantes, d'autre part, on a développé plusieurs projets de centrales à charbon. Il faut considérer que le contexte économique et les orientations qui nous étaient fixées conduisaient à privilégier le choix nucléaire comme système de moyens lourds. Dans la mesure où des inflexions ou des orientations nouvelles se dessinent, il faut que les propositions techniques d'EDF permettent de répondre à ces nouvelles exigences. Une autre réaction maintenant à l'abandon de ce projet, celle de la CFDT. Eh bien, la CFDT approuve l'abandon du projet de construction de la centrale en soulignant qu'il s'agit de la première manifestation de la volonté du gouvernement de refuser la poursuite du programme tout nucléaire. À la fois pour la Bretagne et pour l'ensemble du pays. Parce que ça va permettre d'une part d'annuler un projet qui était absolument injustifié et imposé de façon scandaleuse. Et au niveau de la France, ça va permettre de redéfinir de façon démocratique une nouvelle politique de l'énergie basée sur moins d'électricité et moins de nucléaire et sur beaucoup plus d'économies d'énergie et un développement important des énergies renouvelables. Alors quelle sorte d'énergie justement ? Si vous voulez, au niveau de l'ensemble de la France, il y a la biomasse, et en particulier en Bretagne, c'est-à-dire l'utilisation des végétaux ou des déchets pour produire de l'énergie. Il y a les chauffe-eau solaires qui sont une application immédiate parfaitement rentable. Et il y a la géothermie qui, pour beaucoup de régions, peut produire de la chaleur à des prix tout à fait compétitifs. Donc on peut lancer immédiatement un programme très intéressant dans ce domaine. Quant à la Bretagne, la CFDT avait demandé depuis longtemps, s'il y avait un besoin d'électricité, de construire une centrale à charbon de taille moyenne à la pointe de Bretagne à Brest. Et ça, c'est immédiatement applicable et cela fournira de l'emploi au niveau régional, comme d'ailleurs les énergies renouvelables ou les économies d'énergie. Beaucoup de protestations aussi après cette décision. Je suis très inquiet, dit Jean-Pierre Fourcade. Pour Michel Pinton, le délégué général de l'UDF, cette décision est marquée par la légèreté et par la confusion. Alors en direct avec nous maintenant de Rennes, Jacques Cressard, député RPR. Alors monsieur Cressard, j'imagine que vous n'êtes pas trop satisfait de cette décision. Ah, je suis mécontent. Et je considère que le gouvernement a bafoué le pouvoir régional. En effet, le Conseil général du Finistère, l'établissement public régional de Bretagne, avait voté la centrale nucléaire de Plogoff et dans notre plan régional pour les 5 ans à venir, Bretagne objectif 1985, l'EPR avait demandé la construction rapide de cette centrale. Bien, mais monsieur Cressard, maintenant que la décision est prise, alors que proposez-vous ? Eh bien, je voudrais que le gouvernement, tenant compte de la décision des élus du suffrage universel qui composent l'Assemblée régionale, revienne sur sa décision et qu'il respecte son programme, car on nous dit que les socialistes respecteront les institutions régionales, qu'ils le montrent, en revenant sur cette décision et en faisant en sorte que les élus de la région obtiennent satisfaction. Mais justement, M. Cressard, le gouvernement proposerait, s'il faut du nucléaire en Bretagne, a-t-il dit, 4 autres sites qui sont en fait des sites anciens proposés en 1974. Ploumoguer, Tréguennec, Erdeven et Beganfray. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, nous avions vu ces différents sites et nous avons choisi Plogoff car il nous semblait le meilleur pour l'intérêt général. Bien entendu, nous savions en prenant cette décision que cela posait des problèmes aux habitants du Cap
et qu'ils étaient sacrifiés à l'intérêt général. Mais chacun sait que depuis l'évolution industrielle de la France, des régions ont parfois subi des torts pour l'intérêt général. Mais alors si on remplace cette centrale par une autre centrale, là aussi on va, dans un lieu quelconque, léser des intérêts particuliers et choquer des gens. Alors puisque Plogoff était décidé, il fallait maintenir Plogoff. Bien, Monsieur Cressard, merci. Alors Georges Leclerc, maintenant parlons un petit peu du problème général. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la politique énergétique? Mais écoutez, Plogoff, c'est en fait la première manifestation de la nouvelle orientation nucléaire du gouvernement, c'est-à-dire l'application du programme socialiste. Et tout à l'heure, Paul Quilès, le secrétaire national du PS, a déclaré que 14 sites étaient considérés comme, il a dit, non ouverts. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas construire des centrales dessus. Alors, les 14 sites, je vous les ai résumés sur cette carte. Les petites étoiles sont les sites actuels, qui eux vont continuer. Les sites dits non ouverts sont ceux-là. Alors, en particulier, vous avez Belleville dans le Cher, qui d'ailleurs se trouve un peu plus loin par ici. Nogent-sur-Seine, Cattenom, qui eux sont déjà en chantier depuis assez longtemps pour qu'on voit effectivement les travaux de terrassement notamment effectués. D'autres comme Plogoff, justement le Pèlerin, Chose ou Golfech étaient à peine commencés ou pas du tout commencés. Et enfin certains comme le site sur la Dour, l'Allier et la Saône n'étaient même pas choisis. Donc vous voyez, les 14 sites sont ici. Mais je voudrais vous dire que de toute façon, pour 1985... même si on arrêtait complètement ces 14 sites, il y aurait le programme du gouvernement précédent, c'est-à-dire 42 000 mégawatts de fait. Ça, on ne peut pas arrêter, si vous voulez, cela aussi facilement. C'est donc dans 5 ans que se produiront, dans 4 à 5 ans, les premiers changements. En clair, les économies d'énergie, la géothermie et toutes les formes d'énergie solaire ont 5 ans pour réussir l'alternative. Charles Hernu, le ministre de la Défense, a décidé de suspendre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Il faut se donner le temps d'étudier complètement les dossiers, explique-t-on au ministère de la Défense. Indira Gandhi, elle, a assuré que son gouvernement ne fabriquerait jamais d'armes atomiques en utilisant du combustible nucléaire retraité. À l'étranger, Madame Sung Xingling, la veuve de Sun Yat-sen, est morte aujourd'hui à Pékin. La veuve du fondateur de la République chinoise était âgée de 90 ans. Elle a été l'une des personnalités les plus respectées dans son pays. Le régime l'avait faite présidente honoraire de la République et membre du Parti communiste. Des funérailles nationales seront organisées pour exprimer le deuil profond du peuple chinois. C'est ce qu'indique ce soir l'agence officielle Chine Nouvelle. La violence continue de régner en Ulster. Des combats se poursuivent entre les soldats et les militants de l'IRA. Les 4 grévistes de la faim républicain seront tous candidats aux prochaines élections législatives le 11 juin. La Pologne est en deuil. La mort de Mgr Wyszyński a provoqué beaucoup d'émotions dans le pays. Des messes sont célébrées dans toutes les églises. François Mitterrand a adressé un message au président du Conseil d'État polonais. La France, dit-il, s'associe au deuil de la Pologne. Le cardinal Wyszyński a incarné une certaine idée fière et noble de l'authenticité et de la résistance polonaise. À Washington, Ronald Reagan a dit à Philippe Habib, son émissaire au Proche-Orient, que sa mission avait été un remarquable succès. Philippe Habib poursuivra sa mission dès la semaine prochaine. Yasser Arafat, lui, confirme aujourd'hui la présence de militaires libyens aux côtés des Palestiniens. Il a précisé que la résistance palestinienne possédait bien des missiles sol-air. Eh bien justement, l'armée israélienne a détruit hier 4 batteries de missiles libyens. L'aviation israélienne a bombardé pendant plus d'une heure les localités de Damour et de Namé, à 15 km au sud de Beyrouth. Retour en France avec l'éducation. La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, l'ancienne Fédération Lagarde, a tenu un congrès à Digne. Une semaine après la nomination du nouveau ministre de l'Éducation, les parents d'élèves qui avaient l'habitude de dialoguer avec M. Belac ont expliqué à Lorraine Cuisin leur nouvelle stratégie. Seule des grandes fédérations de parents à n'avoir donné son soutien à aucun candidat au présidentiel, la PEP semblait pourtant assez proche du précédent gouvernement. Mais à Digne, elle a tenu à mettre les choses au point. L'indépendance de la PEP s'affirme tout autant à l'égard des partis politiques et du pouvoir. Le suffrage universel qui vient donc d'élire à la présidence de la République le candidat socialiste ne va pas modifier quoi que ce soit dans l'attitude de la PEP. Ceux qui se seraient imaginés que la PEP manifesterait du dépit ou verserait dans je ne sais quelle opposition font preuve qu'ils connaissent très mal la PEP. Notre souci, l'intérêt des élèves, est déterminant. Par conséquent, nous ne verserons à aucun moment dans ce qu'on pourrait appeler une obstruction systématique. La participation, vous le savez. Il faut dire que dernièrement, les relations avec M. Belac s'étaient tendues.
À la Fédération, on parlait de plus en plus de dégradation du système scolaire et on s'insurgeait beaucoup contre la faible reconnaissance du rôle des parents à l'école. Au Congrès, bien sûr, on discute des propositions socialistes pour l'éducation et certaines sont très bien accueillies. Par exemple, la décentralisation, que les décisions soient prises là où elles doivent être appliquées. Par exemple, la participation, que les parents puissent vraiment décider aussi dans les établissements, que ce ne soit pas une participation figée, une participation formelle, mais une réelle participation. L'importance de l'EPS, du sport scolaire, le Parti Socialiste le veut aussi. Et aussi, que des moyens supplémentaires soient donnés là où il y a des élèves les plus défavorisés. Tout ceci, ce sont des revendications que la PEP demande depuis des années. Reste une grosse inquiétude pour la plupart des parents de cette fédération. Le nouveau ministre de l'Éducation va-t-il vraiment dialoguer avec eux ? Bien, nous mettrions ce gouvernement en garde contre l'une des tentations qui pourrait surgir, celle de privilégier le dialogue avec uniquement les organisations syndicales gravitant dans la mouvance du Parti Socialiste. L'Union nationale des syndicats de journalistes a été reçue aujourd'hui par Georges Filliou, le ministre de la Communication. Les journalistes ont demandé des mesures immédiates pour assurer leur indépendance. Dans notre journal d'antenne de midi, Georges Filliou avait déclaré que les aides à la presse devaient bénéficier davantage aux petits journaux. La presse toujours dans l'actualité à la suite d'informations révélant que l'ONU avait donné de l'argent à une quinzaine de journaux, dont Le Monde, pour financer en partie un supplément consacré aux problèmes du tiers-monde. Le journal Le Monde explique aujourd'hui en dernière page que ces révélations font partie de la campagne de plus en plus vive menée par les Américains pour empêcher que les Nations Unies et l'UNESCO ne soient le relais des revendications du tiers-monde. En sport, Bernard Hinault a remporté la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge Peters conserve le maillot jaune. Début des essais du Grand Prix de Monaco, le Brésilien Nelson Piquet a fait le meilleur temps. Plus d'une seconde d'avance sur le suivant, ce qui est un écart considérable. Jacques Lafitte, lui, s'est contenté du sixième temps, mais c'est le meilleur français. Nelson Piquet, en tout cas, est le favori pour l'épreuve de dimanche. Spectacle avec Véronique Sanson. Jusqu'à dimanche, vous pourrez l'applaudir au Palais des Sports. Lioba Grégoire l'a rencontrée sur scène et à la campagne. Un portrait de l'une des meilleures chanteuses françaises. Véronique Sanson, 30 ans et déjà une carrière longue de 12 ans. C'est dès l'âge de 18 ans que le public français découvre cette voix étonnante avec des chansons dont elle écrit paroles et musique. À 23 ans, c'est l'Amérique qu'elle découvre. Et de son expérience, elle en tire une technique toute particulière. La voici de nouveau en France et après une tournée de 3 mois, elle affronte le public parisien au Palais des Sports et ce depuis 3 semaines. Cela veut dire chaque soir sur scène où elle déploie toute son énergie du haut de ses 1m60. On peut alors se demander si ces vedettes arrivent à avoir une vie comme tout le monde. Je crois que les gens se font une idée de la vie d'artiste comme des gens qui ont une vie de patachon, qui ont une vie de barreau de chaise et qui vont dans les boîtes tous les soirs jusqu'à 5h du matin. Mais ça doit exister. Je veux dire, ça existe, mais il y a des gens qui ont... Je veux dire, la légende n'est pas née comme ça de rien, mais... je veux dire qu'il y a des gens qui adorent ça, puis il y a d'autres gens qui sont plus tournés vers une vie une vie calme, une vie de famille, une vie complètement, enfin, pas normale, parce que c'est pas normal d'aller jouer sur scène tous les soirs. Mais je veux dire, quand c'est fini, on retrouve une vie équilibrée et normale. C'est peut-être votre soupape aussi, non ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que vous vous êtes retirée dans la campagne. Eh oui, moi j'aime pas trop le bruit des villes et puis je trouve qu'il y a trop de voitures et les gens deviennent agressifs. Elle a pas du tout la grosse tête. Elle est toujours restée simple, même un tout petit peu timide. C'est aussi difficile en étant timide de se livrer comme cela, non ? Eh ben oui, mais c'est un exorcisme en même temps. Je veux dire, c'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça, je sais pas. Et que préférez-vous dans ce métier, si vous aviez un choix à faire ? Moi, j'aime beaucoup faire de la scène. Je trouve que c'est le moment où on est vraiment vrai et qui
qui est électrique, complètement électrique. Et vous sentez un public qui n'est pas chaud? Ça se sent tout de suite. Alors bon, ben, c'est pas grave, parce qu'on fait, on essaye de prouver que mes filles, il faut qu'ils soient vraiment bien. Voilà, alors c'est un échange d'énergie, c'est une communication en fait, un circuit fermé. Météo, c'est l'une de nos préoccupations à la veille de ce week-end. Alors Laurent, est-ce que vous nous prévoyez un petit peu plus de soleil pour demain? Oui, malheureusement, cumulonimbus au menu de ce week-end, mais tout de même, il fera nettement plus chaud dans toutes les régions et tout de même des orages donc sur l'ouest du pays demain samedi et sur pratiquement toutes les régions. Malheureusement, dimanche, les températures relevées à 14h avaient déjà connu cette hausse sensible de 16 degrés au nord à 22 degrés dans le sud, il faisant encore un peu plus chaud vers 16h-17h, et ça sera encore mieux demain et dimanche. Alors la carte technique maintenant, pour comprendre que nous sommes coincés entre une dépression à l'ouest et un anticyclone à l'est, l'air tourne comme ceci, il vient du sud, de l'air plus chaud, mais également de l'air plus instable. Vous voyez, ce sont ces lignes de front qui donneront des orages par l'ouest à partir de demain. Nous allons voir ce que tout cela donne sur la carte de prévision, sur la majeure partie du pays demain matin. De la brume, des nuages, mais très vite aussi du soleil, des belles éclaircies, surtout dans l'est du pays, des températures en hausse. Mais vous le voyez, par l'ouest, les nuages reviendront d'abord près des côtes de l'Atlantique, puis vers le milieu de la journée, vous voyez, vers midi, sur la Bretagne, la Normandie et jusqu'à une grande partie de l'Aquitaine. Tout cela progressera dans la journée pour atteindre l'ouest du Massif central, l'ouest du bassin parisien ainsi que les côtes de la Manche. Dimanche, eh bien, c'est ce temps-là qui se généralisera à tout le pays, n'épargnant que l'extrême est, tandis que le beau soleil reviendra sur l'ouest. Enfin, tout de même, ce n'est pas un week-end catastrophique. Il y aura bien quelques averses, mais je vous l'ai dit, du soleil et des températures en hausse. Voici les prévisions pour demain. Vous voyez, 12 degrés, 13 degrés le matin, de 20 à 27 degrés dans le sud-est l'après-midi. C'est presque un petit peu mieux que la normale saisonnière. Enfin, l'agenda, demain, ce sera la Saint-Ferdinand avec un coucher du soleil pour Paris à 21h42. Prochain rendez-vous avec l'information, Hervé Claude vous présentera le dernier journal vers 23h après apostrophe. Et puis l'invité d'Antenne de Midi demain sera le tennis à Roland-Garros. Le journal sera réalisé en direct du central de Roland-Garros. Invité également Philippe Châtrier, le président de la Fédération française de tennis. Ce journal est terminé. Bonsoir, bon week-end.